grosse déception parce qu'on savait un peu sur quel type de match on pouvait tomber. Et voilà, je dirais qu'on est un peu tombé dans le panneau. On savait que Bagnères allait hacher le jeu, enfin tomber dans le panneau même pas. Mais voilà, je regrette un peu, il n'y a pas eu de rythme, donc ça nous a pas facilité le travail. Après, bon ben, on a eu la ressource mentale, et ça j'ai adoré, on a eu la ressource mentale de pouvoir aller chercher la victoire. Et puis, ben, une fois de plus, des syndromes qui reviennent, la gestion de cette dernière minute qui est dommageable, quoi. Voilà. Bon, après, voilà, il n'y a pas péril à la demeure, on n'a pas perdu, ça m'aurait vraiment embêté de perdre aujourd'hui à la maison à SMP, parce que j'espère qu'on y restera invaincu. Les joueurs le méritent, ils sont allés chercher des points dehors, donc, et ça m'aurait vraiment fait râler. Voilà. Bon, après, il y a une somme de détails aujourd'hui qui me gênent, parce que c'est vrai que je pense que sur les 28 points que marque Bagnères, il y en a beaucoup qui sont des détails, et il faut qu'on les gomme, voilà. Il faut qu'on les gomme pour être encore plus performant. Voilà.